On se retrouve pour une nouvelle semaine geek et cette semaine j'étais en vacances donc c'était très cool pour moi parce que j'ai pu vraiment me détendre et faire ce que j'aime, c'est-à-dire lire, jouer, sortir, etc., etc. et boire du thé. Tiens, je vais commencer ce qui n'est pas habituel. Je vais commencer par vous montrer. Tiens, hop, voilà, je suis en train de boire mon thé. Regardez comme c'est beau. C'est du thé avec du. Je crois que c'est une sorte de riz soufflé. C'est un thé vert japonais. Je vais vous montrer l'emballage. Vous allez voir. Ça, c'est un des plaisirs de l'automne. Voilà. C'est le. J'ai zoomé un peu. Le Genmaicha Yama de chez Palais d'été. Voilà. Mélange traditionnel de thé vert et riz brun grillé. C'est trop bon. Bon, bref. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau cette semaine? Alors, quand j'ai mis des petits trucs comme ça, là, c'est que, voilà, c'était des choses personnelles, c'est mes daily, hein, vous savez, maintenant, je vous parle souvent du bullet journal, donc j'ai masqué un petit peu ce qui était personnel. Voilà, alors, dimanche, je suis allée à la Kid Expo, c'était vraiment super, en fait, c'est Léa qui m'a traînée là-bas, au départ, j'avais pas trop envie d'y aller, enfin. Et j'y allais pour elle, quoi. Et ben finalement, j'ai passé une super journée. Je vous invite à aller voir ma vidéo compte rendu parce qu'il y a pas mal de trucs geeks dedans. Et voilà, j'ai mis quelques petites choses ici. Puis j'ai fait une page derrière, je vais vous montrer. Évidemment, on est allé dans le quartier Jap après. Enfin, évidemment. Donc voilà, vous verrez dans ma semaine, dans mon compte rendu. Mais voilà, on a chopé des petits. Ça, c'était des bonbons, tu sais. Et puis voilà, on a rencontré des gens super. On a vu des stands très sympas. Ça, c'est. Enfin bon, regardez ma vidéo, vous verrez. Je vous montre juste derrière. Hop. C'est pas là. C'est pas là. C'est là. Il y avait un stand masking tape. Donc, moi, j'étais trop contente. Et du coup, j'ai fait une petite boîte. Voilà. Petite boîte avec des masking tape. Je savais pas que c'était une marque japonaise d'ailleurs. Voilà, c'est une marque japonaise. Au départ, c'était des rouleaux de peintres, enfin des peintres en bâtiment, voilà, qu'ils ont adapté après pour des choses plus domestiques, on va dire. Voilà, et j'ai rencontré des développeurs du studio Early Bird Studio. Voilà, j'ai rencontré Sarah Schneider, qui est une des personnes qui a développé le jeu Play and Code, qui est en fait un jeu qui s'adresse aux jeunes, enfin aux pré-ados, on va dire, pour leur apprendre ce que c'est que le développement du jeu vidéo. Et si vous allez sur leur page Facebook, vous pouvez jouer à la démo du jeu, ce qu'on a fait là-bas sur le stand. Et voilà. Et franchement, allez voir, parce que je trouve ça vachement sympa. C'est des gens qui ont fait Epitech, l'école Epitech. Et moi, j'ai envie de les soutenir, parce que notamment la nana, elle m'expliquait qu'il n'y avait que 4 nanas dans toute la promo, je crois. Ou alors 4 sur 100 élèves, enfin, je sais plus. Donc, elle était super contente de me voir arriver avec surtout Léa qui est toute jeune et de voir que bah voilà, enfin je pense qu'elle s'est sentie un peu moins seule la fille. Et voilà, en tout cas moi vous savez que j'aime soutenir surtout les filles dans le monde du jeu vidéo parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il y a encore, enfin il y a beaucoup de gameuses, mais elles ne sont pas représentées, notamment dans les médias. Et qu'est-ce que je râlais encore l'autre fois? Ah ouais, j'ai trouvé à Cultura le Guinness des records, mais version jeu vidéo. C'est un super truc, mais je regarde à la fin. Les contributeurs, il n'y avait pas une seule fille dans les contributeurs. Franchement, j'étais dégoûtée. Du coup, je ne l'ai pas acheté. Voilà. Bref, c'était mon petit coup de gueule de la semaine. En ce moment, je fais des coups de gueule. Voilà. Bon, bref. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué à Destiny cette semaine. Alors, malheureusement, Dedel a eu des soucis avec Internet. Du coup, j'ai pas trop pu jouer avec elle là ces derniers jours. Mais vraiment, bah Dedel, tu m'as vraiment manqué là parce que c'est sûr que c'est pas pareil. C'est vraiment un jeu où quand on joue pas avec ses potes, ça a plus du tout la même saveur. Voilà, donc j'espère que ça va vite se rétablir, Dedel. Voilà, sinon j'ai looté le Matador. Voilà, que j'avais looté mais effacé malencontreusement. Voilà, je l'ai récupéré. C'est une très belle arme. Je trouve qu'elle est vraiment très chouette.
Mais là, c'est pas la version parce que je l'ai en version customisée. Enfin bon, bref. Voilà. Ensuite, je suis allée voir la vidéo de Lins Otaku. Bah, toujours aussi super ces vidéos. Voilà. Hop. Ensuite, ah ouais, j'ai vu une super vidéo sur les brunchs du dimanche de Eat Clean Fit 2A. Voilà, là j'ai laissé de la place parce qu'en fait il faut que je note certaines recettes. Je vais en faire une à midi d'ailleurs. C'est du pain bio complet avec de l'avocat coupé en tranches et un œuf mollet dessus. Ensuite, j'ai noté le planning des sorties manga de novembre. Voilà. Bah là où j'ai mis un cœur, c'est vraiment les trucs. Bon, ça c'est pour Léa, je pense qu'elle va le prendre. Ugly Princess, bah ouais, parce qu'en fait, c'est la mangaka favorite de Léa. C'est pas Natsumi Aida, je sais pas, je dis peut-être une bêtise. Celle qui a fait Switch Girl. Voilà, donc elle a les trois premiers. Donc c'est sûr que celui-là, je lui prends quand il sort. VS Earth, c'est une série que j'adore. Alice in Borderland, j'arrive pas à trouver le 2, la suite du 1 donc. Ensuite, bah ça c'est pour Léa. C'est des séries qu'elle suit. La vie en doll, ça me tente bien. Atom, ça c'est sûr que je le prends dès qu'il sort. Le 2. C'est l'histoire de Astro Boy, là, vous savez. Voilà, je vous montre un petit peu. Sky High Survival, bon lui c'est pareil, c'est sûr. Platinum End, il faut que je lise le premier. Voilà. Dolly Kill Kill, ben j'ai pris le premier, vous allez voir. Donc voilà. Et le Green World Z. Enfin bon, il y a plein de trucs. Ensuite, vidéo que j'ai bien aimée du Barbu fait son cinéma. C'est les 10 films que j'aurais aimé découvrir au cinéma. Alors, moi, vu mon âge avancé, n'est-ce pas, il y a certains de ces films que j'ai vus au cinéma. Voilà. Donc. J'ai vu là-dedans Retour vers le futur. J'ai vu les trois d'ailleurs au cinéma, même plusieurs fois. En fait, à la fin de la séance, je restais pour le revoir. Jurassic Park aussi, E.T. aussi, tout ça j'ai vu au cinéma. Voilà. Après, le film dont je suis le plus fier le film dont que je suis vraiment fier d'avoir vu au cinéma, bah, c'est le premier Star Wars. J'étais petite, c'est mon père qui m'a emmené le voir. Il savait déjà à l'époque que ça faisait le buzz et que ça allait être quelque chose de très grand. Et donc il m'a emmené avec lui. Et je me rappelle la scène là où le vaisseau rentre entre les murs là, pendant enfin, l'espèce de labyrinthe là. Oh là 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 là, comment j'ai kiffé ce truc-là. Voilà. Donc ça c'est un super souvenir de Cinoche. Voilà. Puis Retour vers le futur aussi. Ça c'est ça quand j'ai vu ce film-là, surtout le 2. Oh là là, je voulais un overboard, je voulais les chaussures qui se lassent toutes seules, le blouson qui se met à la taille et tout, enfin, la voiture qui vole, enfin. Ça, c'est des trucs qui m'ont vraiment fait rêver, quoi, au Cinoche. Donc voilà. Ensuite, ça, je vous ai montré. Alors, ah! Gros coup de cœur! Cette semaine pour Golden Kamuy. Voilà, vous pouvez. Alors, je vais vous en parler. C'est un manga qui a été élu manga de l'année au manga Taisho 2016. Je vous montre une illustration. Je vais vous le montrer, hein, le manga. Enfin, est-ce qu'il n'est pas là-haut? Je vais regarder. Il est peut-être là-haut. Ah, il est dans mon. Bref, mais j'ai les deux. Il y a un article de Pauline Croquet dans Le Monde que je vous invite à aller lire, que moi j'ai mis dans un petit truc comme ça, là, que j'ai imprimé, que j'ai mis dans une petite pochette. Alors, qu'est-ce que c'est que ce manga? Bon, d'abord, c'est magnifique, c'est un manga. Moi j'ai d'abord craqué pour les dessins. C'est un manga qui a été présenté à la Japan Expo en même temps que le Sky High Survival d'ailleurs. Alors, est-ce que j'ai le 2 ici? Putain, je vais pas avoir le 2? Non. Si. Parce que le 1, en fait, j'ai fini de le lire et il faut que j'entame le 2. Alors, et du coup, je me suis repris un poster comme ça. Attendez, parce que j'en ai retrouvé un à Cultura. Le premier, je l'ai mis dans mes toilettes là. Il faut que je vous montre mon mur de poster manga dans mes toilettes un de ces jours. Je vous fasse une vidéo là-dessus.
Voilà. Moi, je kiffe les dessins de Satoru Noda. Alors, de quoi ça parle? En gros, si vous aimez l'aventure, si vous aimez les beaux paysages, les paysages sauvages, si vous aimez les chasses au trésor, eh ben foncez. En fait, ça raconte l'histoire de ce gars-là, là, Saishi Sugimoto, voilà, c'est ça, qui est donc un vétéran, qui est une légende de la guerre russo-japonaise du début du XXe siècle, donc, en fait, on le nomme l'immortel, je crois, ou quelque chose comme ça, ouais, l'immortel. Donc, il est super costaud, machin, il a survécu à plein d'horreurs, et il va, comment dire, il va tomber sur un type un jour qui va lui expliquer qu'il y a un trésor caché. Et pour retrouver le trésor, en fait, il va devoir retrouver des gars sur qui on a tatoué sur le dos une partie du plan. Donc déjà, vous voyez, c'est un peu tordu, mais... Et ça se passe donc au début du XXe siècle, et ça se passe dans le nord du Japon, et à cette époque-là, vivaient les Aïmous, je crois, Aïnous. Et en fait, les Aïnous, c'était donc un peuple qui vivait au nord du Japon et qui a été plus ou moins exterminé. Enfin, je crois qu'il en reste encore, puisque l'auteur du manga, je crois que c'est le petit-fils d'un Aïnou. Mais ils ont été bien, bien malmenés par les Japonais et peut-être par les Russes aussi, je ne sais pas trop. Enfin, il faut vraiment que je me renseigne un peu plus. Mais bref, il va dans sa quête rencontrer... ce personnage-là qui est une fille et en fait qui n'a pas en fait le père de cette fille n'a pas eu de garçon donc en fait son père l'a initié à la chasse à la pêche etc et donc à travers ce personnage on va découvrir plein de choses sur donc la culture Aïnou et voilà et donc c'est magnifique parce que c'est vraiment un manga d'aventure. Il y a une chasse au trésor, comme je vous le disais au début, et les dessins sont juste magnifiques. Je vous montre la couverture du 2. Voilà. Donc à la Paris Manga, il y avait des grands, grands sacs de Golden Kamuy. Si j'avais su, voilà quoi. Je vous dis, l'année prochaine, tous les trucs dont ils font la promo, je les prendrai parce que après, vraiment, les deux trucs que j'ai pas pris, c'était ça et c'était Sky High Survival sur place et c'est des mangas que j'adore donc maintenant donc voilà quoi. Donc voilà, je vous zoome un peu. Voilà, que vous puissiez voir un petit peu mieux. Je sais pas si ça va être très très bien, mais bon. Voilà, et c'est juste magnifique. Franchement, moi j'adore les dessins. Regardez, enfin, franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Vous allez apprendre des trucs sur. Vous allez apprendre des trucs sur donc la culture Aïnou, sur la nourriture, les vêtements, enfin regardez ça. Donc c'est vraiment génial. Franchement, gros gros coup de cœur. Donc voilà, le tome 2 est sorti, le tome 1 et le tome 2 sont sortis. Regardez, il y a des trucs sur la bouffe. Hein. Moi j'adore quand il y a des trucs sur la bouffe. Le tome 1 et le tome 2 sont sortis. Regardez ça. Et le tome 3 sort bientôt. Enfin bon, bref. Voilà, vraiment, vraiment, je vous invite vraiment à découvrir ce manga. C'est un gros, 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 gros coup de cœur. Et c'est chez Kiun. Voilà. Ensuite, je suis allée à Caen. Caen où Léa a trouvé une boutique de bonbons. Alors, c'était le paradis pour elle. Et c'était sympa, on s'est baladé un peu dans la vieille ville. Et y avait plein de... Comment ça s'appelle? De pixel art. Et de dessins sur les murs. On a trouvé une petite boutique qui faisait à la fois du Jap et de l'américain, c'est-à-dire des trucs que je commande des fois moi. Donc moi il y a un truc que j'adore. Par exemple, je commande sur American Market ou My Little, je sais plus comment s'appelle le site d'habitude. C'est les M&M's au beurre de cacahuète. Et là ils en avaient, donc du coup j'en ai pris. Bon, par contre, les mecs, bon, c'est sympa, hein. C'est une salle en gros où les jeunes se rencontrent et ils jouent aux jeux vidéo. Il y a quelques mangas d'occasion et tout, mais les mecs qui étaient à la caisse, ils étaient vraiment pas très, très connaisseurs, on va dire, parce qu'à un moment, ils avaient des mangas à 3 euros, ils avaient des mangas un peu plus chers. Et ils me disent, oh, les mangas un peu plus chers, c'est les mangas rares et tout ça. Et à un moment, je vois le premier Cat Size.
Et il me dit, ah non, c'est très très rare. Je dis, non, mais vous rigolez ou quoi? Ils viennent de les ressortir en édition, là. Enfin bon, bref, ils connaissaient pas trop leur sujet. Après, ils avaient des posters, ils voulaient me les vendre 5 euros. Enfin, franchement, c'est des trucs qu'ils ont chopés dans les conventions gratos. Donc, bon, je me suis cassée, j'étais pas très contente. Mais ça a le mérite d'exister. Et puis, j'ai trouvé mes M&M's au beurre de cacahuète. Donc, j'étais contente. Voilà. Et puis, dans Destiny, c'était la fête des âmes perdues. Donc, j'ai beaucoup joué, je vous le disais, à Destiny. Je vois ça parce que j'ai marqué là dans mon daily, jouer à Destiny avec des Dell, fête des âmes perdues. Bon, après, là, je vais faire 2 pages sur mes collections zombies, parce que j'avais dédié une étagère à ça, mais je vais peut-être la changer. Mais du coup, il faut que je me renote tout ce que j'avais dans ce thème-là. Ensuite, alors, je suis allée, comme c'était la paye est arrivée, j'ai fait quelques petits achats. Alors, je continue à boire mon thé. Donc, ah oui, à Carrefour, j'ai trouvé du Dr Pepper. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est une boisson, c'est comme du Coca, mais beaucoup plus caramélisé. C'est des boîtes rouges. Franchement, je vous invite à découvrir ça si vous connaissez pas. Chibi et Aurore connaissent parce que c'est ce que j'avais bu moi quand j'étais partie là-bas à Paris avec eux. Ensuite, je suis passée à Micromania. J'ai revendu des jeux et je me suis pris le petit Quantum Break sur Xbox One. Donc en fait, j'ai décidé de prendre sur One les jeux, les exclus en fait. Ou les jeux un peu solo. Donc là, il était à 20 euros. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne affaire. Donc je l'ai pris. Voilà. Donc si vous l'avez fait, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, j'ai trouvé le Rise of Tomb Raider qui était passé aussi à 19 euros. Alors après, bon, parce que je voulais me le prendre sur PS4. Mais il était encore donc très cher. Quand j'ai vu qu'il était à 20 euros sur Xbox One, je l'ai pris. Par contre, je savais pas, j'ai su qu'après que sur PS4, il y avait des DLC qui ne sont pas sur Xbox One. Mais bon, c'est pas grave, je vais déjà me le faire sur One. Puis après, quand le prix aura baissé sur PS4, je me le prendrai peut-être sur PS4. Voilà. Ensuite, okay, alors, à Micromania toujours, ils m'ont filé. Hop. Ah oui, si. J'ai pris un Battleborn pour moi et j'ai pris un Battleborn pour Dedel parce que c'est en fait Anso qui nous avait dit qu'ils étaient passés à 3 euros, 2,99 € à Micromania. Voilà, donc on sera 3. Et puis il y a Ico ce matin qui me disait qu'il fallait y jouer à 4, donc il est volontaire pour nous rejoindre. Donc éventuellement, voilà, on se fera du Battleborn à 4 et on vous dira ce qu'on en pense. Et puis Dedel, il faut que je t'envoie ton exemplaire. Et puis ils m'ont filé le petit inside de Dragon Ball Xenoverse 2. Ça c'est cool parce que j'adore ce magazine Inside, c'est franchement bien foutu. Il est très beau, c'est du beau papier, enfin il y a des belles illustrations, c'est intéressant à lire, enfin voilà. Donc voilà, donc merci Guillaume. Ensuite, à Cultura, j'ai trouvé ça, c'était donné. C'était un petit carnet sur Skylanders Imaginators. Voilà. Alors, après, à la Fnac. Non, Cultura d'abord. Ouais, Cultura. Alors, Cultura, j'ai enfin pris mon Paper Girls. Voilà. Je vous en parlais la semaine dernière dans ma semaine geek. Voilà. Donc, il faut que je le finisse et je vous en parlerai la semaine prochaine. Excellent comics. Ensuite, je me suis pris le Golden Kamuy 2, donc je vous l'ai montré. Et une petite feuille déco patch Halloween. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Attendez. Zou. Je vous montre quand même. Voilà. Voilà. Ensuite. Le jeudi, je suis allée acheter les rollers de Léa, voilà, elle a trouvé une super paire de roller quad blanche et elle a pris les petits lacets en couleur. Donc moi j'ai repris mon skate, c'était cool, on a fait du roller et du skate dehors. Et puis je suis passée chez Manga Toys. Alors là, chez Manga Toys, j'ai pris pour Léa d'occasion Love So Life. Je trouve la jaquette trop belle, voilà.
Franchement, voilà, c'est une série qu'elle suit, mais elle me disait qu'apparemment on pouvait les lire dans le désordre. Je crois que c'est l'histoire d'une fille qui fait du babysitting, mais il faudrait que je m'y mette. Franchement, je la trouve trop belle cette couverture. Trop kawaii. Et moi, je me suis pris sur les conseils de Ninsotaku le Dolly Kill Kill, parce qu'elle disait que ça ressemblait un peu à, je crois, à Magical Girl Seed, ou Magical Girl of the End, je sais plus. Voilà, et je me suis pris un manga alors qui est imprononçable, Dead Dead Demons DDDD Destruction, qui est de l'auteur de Bonne Nuit Poun Poun. Voilà, les images sont très belles. Et avec, c'était le dernier d'ailleurs, il y avait un mug que je trouve super beau. Voilà. Super bruit quand on le tourne. Voilà. Ensuite, ensuite, alors attendez. Donc, j'ai pris le magazine Zoo à Cultura. Il y en a un autre d'ailleurs qui est resté là-haut. Avec Mickey sur la couverture. Moi j'aime beaucoup cette revue. Alors il y a Aurore, oui, une autre Aurore, qui me demandait où est-ce qu'on l'avait et tout ça. En fait, c'est un magazine gratuit qu'on donne à la Fnac, à Cultura et tout ça. Et moi j'aime bien parce qu'il y a plein d'articles sympas dessus. Voilà. Et puis j'ai pris aussi le BD Mag, pareil, qui est gratuit. Par contre, le magazine Gameblog de la Fnac, j'aime pas trop. Et le petit Micromania News de chez donc Micromania. Voilà. Ensuite, hop. À la Fnac, ils m'ont filé ça. Enfin, je suis arrivée au bon moment. La fille, elle était en train de les ranger. Donc, voilà. Alors, un truc génial. Si vous n'avez pas encore acheté le tome 3 de Sky High Survival, prenez-le à la Fnac. Ils ont une couverture collector. Ah, quand j'ai vu ça, j'étais dégoûtée, quoi. Mais je vais pas me l'acheter deux fois, donc voilà. Mais franchement, très bon plan. Au même prix. Voilà. Ensuite, j'ai repris un abonnement au Xbox Live. J'ai regardé une autre vidéo de Linsotaku. Qui s'appelle What's New, qui est vachement bien. Je l'ai regardé vraiment. Elle est un peu, même, malgré les 33 minutes, c'est passé crème, comme on dit. J'ai regardé ça avec beaucoup de plaisir. C'était vraiment bien. Donc, Dolly Kill Kill, voilà, je l'ai pris. Dead Dead Demons DDDD Destruction, je l'ai pris aussi. Voilà, et puis elle en présente d'autres. Voilà. Metal Jesus Rocks, Favorite Horror Movies All Time. Ça, c'est super cool aussi comme vidéo. Bah, du coup, je me suis commandé sur Price Minister le Frankenhooker. Je pense que Ryan Lee t'en a déjà parlé. Et puis, hier, je suis allée à Boulanger et à Cultura. Alors là, j'ai trouvé des trucs sympas. Donc, à Cultura, bah, j'ai pris le Joe Hill Phantoms qui avait été conseillé par je sais plus qui. Donc, c'est un recueil de nouvelles du fils de Stephen King. Ça me tente beaucoup. Et j'ai pris aussi. La version collector de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Qui reprend le film. Alors, par contre, je suis d'accord avec Linsotaku. Hein. D'après le film de Tim Burton, ce n'est pas un film de Tim Burton. Voilà. C'est Tim Burton qui a fait beaucoup de choses dans le film, mais c'est pas le réalisateur. Et c'est vrai que c'est assez énervant de que tout le monde mette une énormité pareille. Et je me suis trouvée. Alors là, j'étais super contente. Je suis passée à Boulanger, un peu par hasard. Et je me suis trouvée le petit knack à 8 euros que j'ai pris parce que c'est une exclue PS4 et que je pense qu'après on aura du mal à trouver. Et le Shovel Knight, je regrettais la semaine dernière de ne pas l'avoir pris à 10 euros à Carrefour. Et bien, elle était à 8 euros sur Wii U. Voilà. Donc là, je l'ai pris du coup parce que. Bon, voilà. Et il y a une bande-son incluse. Numérique, je sais pas si c'est dans toutes les versions comme ça, mais bon, bref. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Je me disais, il faut pas que je vous montre un peu. Ah ouais, donc pour Léa, Léa voulait Minecraft, mais donc du coup, je lui ai pas pris sur console next-gen parce que
Sinon, elle pourrait pas y jouer vu que je la squatte, la console. Et donc, je lui ai pris sur PS3. Et puis voilà. Oui, alors Destiny, pour revenir sur Destiny, allez voir ma vidéo sur la vidéo que j'ai faite avec Dedel et Anso, où on danse à la tour sur de Claude François. C'est à mourir de rire, franchement, ça dure pas longtemps, ça dure 7 minutes. Si vous voulez vous marrer, allez voir ça. Voilà. Bah, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout pour cette semaine. Donc, bah, je vous souhaite une très bonne semaine. Il faut que je vous tourne ma FAQ aussi. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!